60 000 euros, c'est la somme que m'a bloqué TransferWise sur mon compte pro, sans raison. À cause de ça, ma boîte a bien failli mourir et gâcher mon Q4. Dans cette vidéo, je vais vous partager les mésaventures que j'ai eues avec certaines banques en ligne et la solution que j'ai trouvée qui m'a permis de réaliser plus de 1 500 000 euros de ventes sur le dernier trimestre sans stress et avec une banque efficace avec qui j'ai un contact humain, un contact direct qui communique avec moi et qui ne risque pas de bloquer mes comptes sans raison. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer une banque en ligne quand elle bloque tes fonds, comment éviter les blocages et une nouvelle banque incroyable avec laquelle j'ai commencé à travailler. C'est parti. Chapitre numéro 1, le blocage de TransferWise. Je me souviens très bien, on était en début septembre, c'était l'été indien dans le nord de la France et je suis à table avec mes parents. Je reçois un message de mon assistante qui me dit qu'elle ne peut pas payer les factures fournisseurs parce qu'elle n'arrive pas à accéder au compte en banque et me demande si j'ai changé son mot de passe. Bien évidemment, j'ai autre chose à faire que changer le mot de passe de mon assistante. J'essaie alors de me connecter et je vois que mon propre compte TransferWise est bloqué et que j'arrive pas à me connecter. Message d'erreur au moment de se connecter. Je regarde alors ma boîte email et je découvre que mon compte a été bloqué avec l'intégralité de mon argent dessus. Je contacte alors le support client qui me valide que mon compte a été bloqué et qui me demande toute une série de documents. Je fournis alors bien évidemment les factures fournisseurs des différents virements qui ont été réalisés et je demande quand est-ce qu'on va pouvoir débloquer mes fonds parce que la vie, la survie de mon business en dépend. À ce moment-là, j'ai à peu près 20 000 euros de salaire mensuel à payer pour les différents membres de mon équipe, la marchandise bien évidemment à acheter sur les ventes que l'on réalise, ainsi que la publicité à payer pour que les ventes puissent continuer de tourner. Ces 60 000 euros de cash flow représentent alors à peu près 2/3 de mon cash flow à disposition de toute la société. J'ai clairement chaud au cul et la survie du business en dépend. C'est à ce moment-là que j'ai regardé sur Trustpilot, sur les forum sur internet s'il y avait d'autres cas de figure similaires et là c'est le drame. Je pète un câble de lire des dizaines, des centaines d'entrepreneurs qui partagent des histoires atroces d'argent bloqué, jamais récupéré. Je relance alors toutes les semaines, tous les jours le support client de TransferWise et je m'assure d'avoir une réponse tout en commençant à chercher un avocat. C'est 6 mois après que TransferWise a débloqué mon compte ainsi que mon argent dessus et après avoir retiré l'argent que j'avais sur mon compte, ils ont décidé de le fermer définitivement quelques jours plus tard en disant que je ne respectais pas les conditions d'utilisation. Malgré mes relances au support client, je n'aurais jamais plus d'informations sur pourquoi mon compte a-t-il été fermé. Chapitre numéro 2, le blocage N26 et toutes les autres banques en ligne. Dans la série des histoires atroces, il y a toute une tonne de témoignages de personnes qui se sont fait bloquer leur compte, leur argent et ont perdu leur business à cause de blocages de compte en banque sur N26, TransferWise, Revolut. Ça fait bien évidemment la une des journaux et c'est un vrai fléau auprès des entrepreneurs du web. Vous pouvez retrouver bien évidemment tout un tas d'articles, de posts sur les forums, les Trustpilot sont littéralement des boucheries, bref, il y en a pour tous les goûts et ça fait froid dans le dos. Il y a même des histoires de procès en groupe et des avocats qui réussissent en attaquant directement N26 à récupérer votre argent. J'ai une amie, Isabelle, qui a eu plusieurs milliers d'euros bloqué et après le dossier mis entre les mains de l'avocate mis en avant justement sur ce groupe Facebook, elle a réussi en quelques semaines à récupérer son argent. Ça fait des mois, des années que j'ai décidé d'arrêter d'utiliser N26, mais cela ne les a pas empêchés de bloquer mon compte en août 2022 en me demandant de justifier des dépenses de 2017. Autant vous dire que j'ai aucune idée des dépenses que j'ai fait en 2017 sans avoir en plus accès ni au compte ni aux informations. Et c'est le cas finalement de beaucoup de banques en ligne qui ouvrent leurs portes à un maximum de gens, un maximum de croissance. Parce que rappelez-vous bien une chose, les amis, ce sont des startups qui ont pour objectif de conquérir un marché hyper concurrentiel et quasiment leur seul objectif, parce qu'ils ont levé de l'argent, parce qu'ils doivent rendre des comptes, c'est d'avoir les meilleurs KPI possibles, c'est-à-dire un nombre d'utilisateurs et un nombre de nouvelles inscrits par semaine. Et donc après l'hypercroissance vient la
gestion. Et c'est là que beaucoup de ces boîtes ont beaucoup plus de mal. Chapitre 3, le vrai problème des banques en ligne. Le vrai problème dans tout ça, c'est pas que les banques demandent des justifications et des informations. Ils font leur boulot et c'est normal. On ne fait rien d'illégal ou de dangereux. On achète juste des marchandises à gauche pour les revendre partout dans le monde. Il n'y a pas de problème pour ça. Je peux facilement prouver l'intégralité de mes dépenses, de mes virements, donner toutes les factures, les contrats nécessaires. Le problème, ce sont les méthodes mafieuses utilisées par ces opérateurs. Ils te bloquent d'abord tes accès à ton compte et ton argent et ensuite te demandent de te justifier. Ils mettent 6 mois à répondre quand leurs services clients répondent et prennent en otage ton business. Pendant ce temps, toi, tu ne peux pas opérer, bosser, tu ne peux pas payer ton fournisseur ou ta publicité. Bref, tu perds tout ce que tu as passé des mois, des années à construire. Il n'y a pas ou très peu de communication, pas réellement de contact humain, tu te retrouves seul face à tes problèmes. Et tu as littéralement l'impression que le monde s'écroule sur toi et que le sol part de dessous tes pieds. Chapitre numéro 4, les 6 critères pour trouver la banque en ligne qui est faite pour toi. En 2022, du coup, j'en ai fait une priorité pour moi. Je me suis inscrit sur des dizaines de plateformes et voilà la liste de critères que j'ai fini par définir pour trouver la banque qui allait accompagner la croissance de mon entreprise. Il fallait de base valider avec la banque qu'on pouvait faire du e-commerce, du dropshipping avec eux et qu'on allait pouvoir encaisser du Stripe et du PayPal directement sur cette banque. J'ai trouvé des banques, des comptes en banque qui n'acceptent pas que tu encaisses directement tes payouts Stripe sur cette banque. Et oui, ça arrive. Il me fallait également un compte en multi-devises, hein, bien évidemment un RIB, un IBAN, un compte en dollars de banques qui sont solides derrière avec la possibilité d'envoyer toutes les devises partout dans le monde. Et partout dans le monde, mais notamment en Chine et en dollars. Et ce, sans frais exorbitants. En effet, par exemple, TransferWise, beaucoup disent que ce sont les virements en Chine qui créent les problèmes avec leur compte et qui fait que, comme moi, on s'est fait fermer son compte TransferWise. Je ne comprends pas pourquoi, mais pourquoi pas, ça a été le cas d'énormément d'e-commerçants qui ont travaillé avec la Chine et qui ont été bloqués via TransferWise. Alors que je connais beaucoup de mes amis qui ont des business de services ou de consulting et qui ne sont pas du tout embêtés avec TransferWise dans une configuration très similaire à la mienne. Bien évidemment, on a besoin de cartes physiques, Mastercard ou Visa, sans frais supplémentaires sur les paiements à l'international pour pouvoir notamment payer toutes les dépenses de l'entreprise, mais également la publicité. Car comme sur Facebook ou sur Google, on a besoin de cartes physiques et non pas de cartes virtuelles pour pouvoir dépenser sans compter. Bien évidemment, on parle également de plafonds élevés sur les cartes qui sont là pour le coup 50 000 $ par carte sur la banque que j'ai sélectionnée. Bien évidemment, j'avais aussi besoin de pouvoir utiliser cette banque avec différentes sociétés, des sociétés aux États-Unis, en Europe, à Hong Kong et de pouvoir créer depuis partout sur la planète. Et le dernier point, vous l'avez compris, un vrai service client, un vrai échange, une vraie relation avec la banque pour pouvoir arrêter de stresser et se focaliser sur la chose la plus importante, développer mon business. En 2022, comme je vous disais, j'ai mis beaucoup d'énergie dans tout ça et j'ai trouvé la solution pour sortir du monopole de cette mafia de la banque. Il m'a fallu partir loin, chercher longtemps et c'est en Australie que je suis arrivé et la solution, elle s'appelle AirWallex. Je me suis alors inscrit sur AirWallex et c'est alors que Kynan m'a proposé de prendre un rendez-vous sur Zoom pour pouvoir voir comment AirWallex allait pouvoir aider la croissance de mon business. What the fuck? La croissance de mon business, on passe de « je dois me satisfaire de banques dégueulasses et disponibles avec des frais astronomiques » à « je vais vous aider à faire grossir votre business, prenez un rendez-vous sur Zoom ». C'est incroyable et me voilà sur Zoom avec Kynan, mon futur nouveau meilleur ami, qui m'explique justement l'histoire de cette néobanque australienne qui vient de s'implanter aux États-Unis et qui est disponible partout sur la planète. Que vous ayez une société en Europe, aux UK, aux US, à Hong
compte, vous pouvez créer un compte avec AeroAlex et profiter de leurs services. Bien évidemment, pas de frais de tenue de compte, pas de frais sur les cartes, pas de frais cachés sur les paiements à l'étranger avec les cartes, des frais uniquement sur les conversions de devises à l'international. J'ai une vraie conversation avec Kainen qui connaît les problématiques de l'e-commerce et les problématiques qu'on vit en général dans le business en ligne. Il a l'habitude de bosser avec des entrepreneurs du web, des gens qui encaissent via Stripe, PayPal. Ils ont même leur propre système de checkout pour pouvoir sortir de Stripe et utiliser leur système pour encaisser les cartes bleues. Bref, après une inscription complète et une validation de mon profil en fonction de l'activité de mon entreprise, etc., oui, ils acceptent les e-commerçants. Me voilà paré. Aujourd'hui, j'utilise AeroAlex depuis août 2022 sur toutes mes sociétés et on a fait plus de 2 millions d'euros de ventes sur le dernier trimestre sans aucun problème. Plus de stress, plus de blocage sans raison, une seule demande de facturation sur un gros virement que j'ai réalisé. Et après avoir fourni les papiers quelques jours, j'ai été débloqué au niveau de mon virement. Mon compte n'a jamais été bloqué, j'ai pu continuer à opérer et avoir accès à mon compte. Une simple demande de vérification usuelle. Je fais souvent appel au service client, j'ai des emails au quotidien avec Kainen et j'ai encore eu un autre Zoom depuis notre première rencontre. Si vous voulez vous inscrire sur AeroAlex et profiter d'un bonus à l'inscription, vous aurez, je crois, 50 000 $ de frais de change de monnaie en profitant du lien qui est juste dans la description, juste en dessous. C'est un lien d'affiliation qui me fera reverser également une petite commission sur l'inscription. Je suis tellement content de pouvoir faire la promotion d'un vrai service, d'une banque en ligne qui cartonne et qui m'a vraiment aidé dans le développement de mon business e-commerce. Le lien est dans la description, allez-y. Chapitre 5, pour en conclure avec les banques en ligne. En conclusion, les amis, faites attention avec les banques en ligne qui n'ont aucune condition et qui ouvrent leurs portes à tout le monde parce que au bout d'un moment, quand trop de gens sont dans la machine, il va falloir passer à la caisse. Valorisez vraiment le contact client et la communication, surtout quand vous commencez à être gros et à faire beaucoup de volume. Si demain votre compte en banque est bloqué, que se passerait-il dans votre business? Si vous êtes basé dans un pays physiquement, renseignez-vous auprès des banques nationales, voir ce qu'il est possible de faire. Je vous recommande vraiment d'avoir une banque physique avec laquelle vous travaillez. Ça vous donnera plein d'opportunités, peut-être même d'installer leur checkout, peut-être pour faire du crédit, peut-être pour développer votre activité. On pourrait en parler dans d'autres vidéos. J'en ai déjà parlé dans mes clubs privés. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les banques physiques aujourd'hui. Il faut réussir non pas à faire que du virtuel, mais à se munir des deux pour pouvoir justement jouir de leurs deux forces. Et bien évidemment, Conto et Shine en France sont également de superbes opportunités solides qui vous permettront de développer votre business. Si comme moi, vous êtes nomade, vous êtes à l'international, alors AeroAlex est le meilleur partenaire que j'ai trouvé pour pouvoir développer mon business. Bien évidemment, si vous voulez vous inscrire, utilisez le lien dans la description juste en dessous et merci bien évidemment de le faire. Si vous voulez voir comment est-ce qu'on a réalisé plus de 1,3 million de ventes grâce à notre parc de sites e-commerce, tu peux cliquer sur la vidéo qui apparaît juste ici et bien évidemment, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite, c'était Enzo. Ciao !